Bon bah salut. Salut. Voilà, on est en pleine randonnée dans les montagnes. Déjà rendu bien loin de Christchurch. C'est pas mal de choses en une semaine quand même. Ouais. On a bien avancé dans le voyage. Putain, regarde la route mec. Putasserie. Depuis qu'on a posté la vidéo, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté 2 jours à Christchurch, peut-être après. Enfin, 2 jours et 2 nuits, parce que du coup, on s'est un peu fait traquenarder par David le Hongrois. From Dijon Mustard. Ce con-là nous avait invité à manger chez lui le vendredi soir. C'était délicieux. Samedi. C'était génial, on n'a pas bouffé aussi bon depuis. Que comme on n'a pas la diète en fait. On mange végétarien depuis une semaine. Bref, David nous fait son truc de bolognaise, tout ça. Après, en plein milieu de la conversation, et il arrive à placer inaperçu. Bon, les gars, on va en boîte après. Puis bon, nous, on n'était pas trop chaud. D'autant plus qu'on était en jogging. On était en jogging, c'était ça l'obstacle majeur. On sentait la transpiration. Mais David a su nous motiver avec un discours digne des plus grands poètes hongrois. J'aurais dit digne des plus grands profs de collège. Ah, ouais. C'est du niveau des poètes hongrois, tu vois. Bâtard. Salaud. Je vais poser l'appareil sur un truc. Fuck you, bitch. Non. Non. We are totally... Déconné. Déconné. Déchigné. Je m'appelle Déconné. You're like the hero of I hope. Story at Fracture, so... Mm-hmm. Let's talk about you. I can't talk about... Where are you myself. From? Where are you from, man? I'm from Déconné. Hongrois. Tu veux? Hongrois. Oui. And what are you doing here in New Zealand? Drinking. A lot? Yeah. Yeah, thanks to Pam. Thanks, Pam. Thanks to Pam. Now I'm the reporter. Yeah, so. Sure. So, what are you doing here? We're drinking vodka at David's home. Looking for kiwis? Let's see. Il est torché, mec. Comment il a longé, mec? Oh, we are gonna miss the bus. Oh shit. Oh shit. Da! Finish yours. C'est trash. Yeah. On est arrivé dans la seule boîte de nuit de Christchurch. Revival. On est rentré en jogging, tranquille. On a dansé avec les Maoris. Et 4 fiches. Il y a un mec bizarre qui tapait du pied, Valentin a dansé avec lui. Ils allaient bien ensemble, je crois. Yeah, Abraham! $13 le bousin! 13 le fusain! Miss you, dance, bitch! Twerk like Shumi. C'est un bestiau, quoi. Ah, bref, on est resté quelques heures en boîte. Et après, il y a des mecs de notre âge, je sais pas, qui ont essayé de voler le pull Go Sport de Valentin. On suit aussi. Je leur dis, pas possible que ce soit à toi, mec. Je l'achète en France, dans un Go Sport, quoi. C'est pas de Go Sport ici, quoi. Et le mec, oh, I got it in France. Ouais, failli partir en châtaigne. Tu aurais pu partir en châtaigne de forain. Hein. Ouais. On s'est barré, ouais. Sous les conseils de David Longrois. On est rentré à l'auberge après avoir réalisé le plus grand rêve de David. On l'a transformé en étoile de mer avec des cônes de chantier. Ouais. Non. Can you put on to my hair? Man. Il est superbe. Oui. J'ai dormi 2-3 heures. On a décuvé un peu toute la journée. On n'a pas bougé de l'auberge. On avait la flemme d'aller faire les courses parce qu'il y avait 3 km à marcher. Il y a David qui nous envoie un message. Are you ready, guide? Voilà, première petite marche en fait. On va se mettre là comme ça peut-être. C'est quand même pas mal. C'est qu'un début, hein. C'est fun, t'as des routes. Oh, oh, oh. 360. C'est chaud. Je crois que c'est mon meilleur lendemain de cuite de toute ma vie. Ouais, mais il faut quand même qu'on aille faire des courses. J'étais pas motivé pour marcher jusqu'aux courses et finalement on s'est retrouvé à faire une marche dans les collines derrière Christchurch. Et après cette marche, on allait faire les courses et on a dû se taper les 4 km jusqu'à l'auberge de jeunesse à pâtes après, avec les sacs remplis de bolognaise et de pâtes. Wow. Merde. Y'a les moutons qui se foutent de ta gueule, mais... Ta gueule.
Oh, ils sont beaux, ça donne envie de les bouffer. Oh, et puis on n'a pas de viande depuis je sais pas combien de temps, donc... Voilà où on en est rendu, notre lieu de travail. Ah, là, où il y a l'espèce de palmier, c'est où on bosse. Et là, c'est l'océan Pacifique, en fait. Océan Pacifique dans lequel on peut apercevoir des orques et des dauphins. Des Hector Dolphins. Ce que t'as, toi. Comment ils nous regardaient, ouais. Le fusain. Il y en a qui sont agressifs. Ouais. Faut pas trop traîner dans le coin. On a fait se faire péter, faut pas trop traîner dans le coin. On en était rendu où? Donc la petite marche, on est rentré à l'auberge, dernière soirée avec les Vosgiens. Le lendemain, on se réveille, on quitte l'auberge, on prend nos sacs à dos. Et on part sur la route faire du stop, sur la seule route qui mène à Karoa en fait. On a marché 800 mètres. On a eu de la chance, on a trouvé un mec de notre âge, il fait pas quitter avec sa copine. Oh, qui allait à Karoa. Je pense qu'il avait ouais, 22, 23 ans, 24 ans peut-être. Ouais, il était avec sa meuf. Ils allaient à Karoa, donc on est là pour plonger. Et du coup, on a eu du bol. On a eu beaucoup de chance, même si le mec roulait un peu comme un taré. Ouais. Mais c'était fine. Putain, j'ai dit c'était fine. C'était fine. J'en suis pas rendu compte. Ah, trop bien, le gars. Wow. Wow. Oh merde! Oh non! Tache noire là. Mec, c'est un taureau. Je vois son chibre d'ici, mec. C'est un putain de taureau. Ah! Arrête. Je vais croire que tu le menaces. Il bougera pas, mec. C'est un taureau, tu crois? Niveau température, ça va un peu mieux. Premier jour, on avait trois couches de vêtements chauds. Puis là, bah, je suis en t-shirt, quoi. Ouais, la première nuit qu'on a passé dans la caravane, mec, c'était horrible. On vient de se réveiller dans la caravane. On a plus chaud comme ça, ouais, c'est vrai. Ça a soufflé toute la nuit, le vent. Peut-être qu'on n'arrivait pas à fermer dans la caravane. Du coup, moi, même pendant la nuit, je me prenais des rafales de vent. Ils vont nous attendre pour le petit-déj, puis après on va aller travailler. Ah, je suis bloqué. Là, on doit prendre nos douches dehors, et il fait 0 degré. C'est génial. Bon. Allez. Ah! Belle. Genre mon Bayonne. Mec, il te suit. Je crois qu'il est amoureux de moi, le cochon. Regarde comment il se frotte. Collect mussels on the beach. People pay thousands of dollars to do holidays. I can't believe I'm working here. Dookie, il est en train de faire à bouffer. Hier, il nous a fait goûter des nouilles épicées de Corée. La bouche, c'était bon. Si oui, il avait pas tout bouffé, j'aurais peut-être pu en avoir plus. Que le mec, il a pris la moitié du pot et j'ai eu 4 pattes. C'est un peu de l'escalade ce qu'on fait là quand même. Putain. Lève-toi, on fait ta grosse tête. Égale-toi, égale.
Donc voilà pour cette semaine. On vous dit peut-être à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ouais. Sûrement. Peut-être pas au même endroit. On vous fait des gros bisous. On vous fait des gros bisous. Et bisous maman. On vous dit à bientôt. Bisous Morgane. Ça fait plaisir que vous nous suiviez sur Facebook, sur YouTube. Ouais. Partagez nos vidéos, ça nous fera plaisir aussi. Bonne soirée à vous et prenez soin de vous et à bientôt. Dis le fusain. Putain.